Bonjour et bienvenue à toi pour retrouver la guidance générale du vendredi 26 novembre. Cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi, mets le reste tout simplement de côté. Alors, je vais aller voir ce qu'on me dit. Alors, message général pour le vendredi 26 novembre. Quel est le message pour le vendredi 26 novembre? Alors, tu peux me retrouver également sur ma page Facebook en tapant Will Voyance. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube où tu retrouveras toutes les guidances que je poste et également les guidances astrologiques qui arrivent sur les deux signes astrologiques d'ici fin de semaine. Alors, quel est le message pour le vendredi 26 novembre? On retrouve un homme ici, voilà, avec des petites contrariétés. Alors, ici on retrouve le déplacement, la route, voilà, on parle de papier important ici par rapport à un aspect financier. Donc, j'irai voir un petit peu plus loin pour vous donner les détails. Je fais le tour du jeu en global et je vais vous fournir des éléments juste après. Alors ici on retrouve une femme qui est seule, veuve divorcée, on retrouve le travail, on peut retrouver aussi quelque chose, une femme dans l'administration, quelque chose qui concerne l'administration, les papiers au niveau d'un travail. On nous parle voilà d'un triomphe par rapport à cet événement ici. On retrouve ici donc une femme ici. Donc la consultante, ça peut être une amie, une fille ou une sœur ou une amie sincère. On nous parle, voilà, cette femme pourrait être accompagnée d'un petit garçon ici. On nous parle de nouvelles, en visite. Ici, je retrouve un homme qui est loin en kilomètres, un homme donc qui peut être loin de toi, un militaire. On retrouve la perte de quelque chose, donc la perte par rapport à un homme, donc ça peut être sur le plan sentimental, le plan professionnel ou divers. Et ici, j'en retrouve quand même des papiers administratifs et la justice ici. Un peu plus bas, je retrouve en retard un petit quelque chose, c'est une certitude. Ici, je retrouve des petites contrariétés en surprise sur un événement qui arrive dans ta maison, voilà, mettant des soucis dans ton foyer, dans ta maison, par rapport à un homme de cœur, donc un homme de ton couple, d'accord, ou ça peut être ton papa qui est représenté en roi de cœur ici. Voilà, donc c'était en général, je vais aller approfondir maintenant. Alors, la question, c'était de savoir le message général du vendredi 26 novembre, pardon, donc. On me parle de verdict, de discussion, on me parle d'héritage, on a pu voir que ici sur la couverture principale, je vais des papiers, de l'argent. J'ai la carte santé, ça peut être dû par rapport à des problèmes de santé autour de toi. Je retrouve l'avocat. Alors, on nous parle bien pour la période de cet automne, donc ici, en ce moment, on est à la période automne, donc on est en plein dedans. On nous parle, voilà, pour un homme, ici, pour un homme, on nous parle, voilà, de verdict, donc quelqu'un qui attend un verdict, donc au niveau justice ou administratif, d'accord, ça peut être notaire. On nous parle, voilà, d'un testament, d'un héritage, donc certainement quelque chose qui est bloqué au niveau d'un héritage, voilà, par rapport à un événement qui s'est passé autour de la santé. Donc ça peut être la perte d'une personne et suite à ça il y a un héritage, voilà, et on attend que ça se débloque. Il y a des complications au sein de la famille ou au sein de cet héritage qu'on me dit tout simplement. Je retrouve ici l'avocat, donc voilà, on a vraiment ça à la période automne, d'accord. Donc je vais aller voir un petit peu plus loin
ce qu'on me dit par rapport à ça. Alors ici, je retrouve, voilà, on me parle de déplacement, voyage ou un grand déplacement, d'accord, un grand voyage ici. Alors, on me parle, voilà, d'une ouverture par rapport à ça. Dans ta maison, dans ton foyer, voilà, certainement une idée, quelque chose que tu attends. T'es en période de réflexion, on me parle d'équilibre, de paix, quelque chose qui te ferait du bien. T'es passé par une période compliquée, on me dit, voilà, parce que j'ai la guérison ici pour toi. Voilà, ça concerne quelqu'un de assez jeune, donc on est basé plus par rapport à ce message, par rapport à la jeunesse, d'accord. Ici, donc on me parle d'une ouverture vers un voyage pour toi, pour une femme, d'accord. Donc ici, le voyage concerne plus une femme, donc ça peut être un voyage qui est assez loin, mais un voyage aussi en France, pas forcément hors territoire. Ça peut être un week-end, voilà, mais voilà, on me parle d'un événement qui arrive autour d'un voyage. D'accord. Alors ici, on retrouve alors des papiers importants par rapport à un aspect financier. On parle d'argent, on me parle de déplacement autour de ça. Alors, j'ai des accusations. Tout à l'heure, on a pu voir qu'on attendait un verdict. On retrouve des accusations. Il y a vraiment quelque chose autour de ça, autour de ces papiers, quelque chose qui est bloqué. Quelque chose, voilà, on nous parlait d'héritage. Donc, pour moi, il y a des papiers autour d'un héritage. Voilà. Suite à une séparation, d'accord. Tout à l'heure, on avait la carte santé, donc on voit bien que c'est par rapport à un héritage, par rapport à la perte de quelqu'un. Ça peut être une bataille par rapport familial entre frères et sœurs, mais il y a vraiment quelque chose ici au niveau familial en attente sur des papiers par rapport à un héritage. Cette personne qui attend cet héritage aurait un projet. Un projet, donc cette personne attend que cette situation se débloque. On me dit il y a un projet. Voilà, il y a quelque chose pour cette personne. Elle attend vraiment que ça se débloque, on me dit, vraiment pour établir un projet. Cette personne a vraiment un projet par rapport à cet argent qu'elle attend. En nouvelle. Donc en nouvelle, on me dit bien en nouvelle, voilà, en nouvelle, une réponse autour de la familiale par rapport à des papiers, voilà, sur des déplacements, donc au niveau financier, donc ça peut être un déplacement que tu feras par rapport à ces papiers, mais voilà, j'ai la route déplacement, papier important, donc en nouvelle, tu vas avoir des nouvelles par rapport à ces papiers que tu attends par rapport à un héritage. Ici, on retrouve donc ici une femme seule, veuve divorcée, on peut parler de l'administration, on nous parle de travail, d'accord. Alors, on me parle de cadeaux, on me parle d'un événement à venir, donc voilà, en surprise. Donc ici, on retrouve une femme seule, veuve divorcée, on nous parle de cadeaux, un événement qui va arriver, donc certainement une femme qui a peut-être un projet au niveau d'un travail, mais ou simplement qui attend un poste ou un changement de poste, ou quelqu'un qui a postulé, voilà, on nous dit ça arrive, c'est en surprise pour toi, j'ai le triomphe qui est là, en cadeau, un événement qui arrive dans les 6 mois. Certainement un changement, on me dit un changement au sein professionnel, tout simplement. Il y a quelqu'un qui veut changer sa vie professionnelle, voilà, ça arrive pour toi, on me parle de triomphe, d'accord. Cette personne, elle a du soutien autour d'elle, d'accord. C'est quelqu'un qui est accompagné
Ça peut être par la famille ou par des amis, mais on voit que cette personne, cette femme qui est seule, veuve ou divorcée, elle est vraiment accompagnée. Alors ici, on retrouve en visite, donc en nouvelle, une visite pour une femme. Ça peut être une femme, pas une femme seule, mais une amie sincère, pardon. Une amie sincère, ça peut être une sœur ou une fille ou la consultante, d'accord? On retrouve des discussions. Voilà, des discussions dans quelques temps, voilà, c'est des choses, voilà, on nous parle, j'ai la carte vive sainement, donc des discussions entre amis, certainement, je retrouve ici un enfant, donc certainement une femme qui a un enfant à ses côtés, un petit garçon. Voilà, des difficultés, donc ça peut être une femme qui a des difficultés avec un enfant, peut-être sur un enfant qui est dur, au niveau d'un comportement, voilà. Donc un enfant, ça peut être quelqu'un qui est jeune aussi, ça peut être un jeune adolescent, d'accord? On retrouve en nouvelles, voilà, des discussions autour de ça. On me parle avec un homme, d'accord? Donc ça peut être dans un couple également. On me confirme bien un homme. Ça peut être aussi un homme qui est à côté de cette femme, mais un homme de belle situation, un homme qui travaille dans le commerce ou également un homme qui travaille pour lui. Ici, je retrouve alors un homme qui peut être loin de toi, un homme donc loin en kilomètres, ça peut être un militaire. On me parle d'une perte de quelque chose, on nous parle de papiers administratifs ou la justice, d'accord, qui est représentée ici. On me parle d'une naissance, une naissance vers quelque chose. Sur des ennuis. On me dit ici clairement qu'il y a un homme ici qui va vers des ennuis, donc des ennuis de justice, ça peut être des ennuis au niveau administration, au niveau papier, d'accord? Je vais essayer de vous donner un peu plus d'éléments par rapport à ça. Alors ça peut être par rapport à une relation, parce qu'ici on retrouve le cœur brisé. Donc voilà, pour moi c'est une perte d'une relation qui vient d'arriver ou qui va arriver très prochainement. Voilà, cet homme va rencontrer des difficultés par rapport à cette naissance, donc cet nouvel événement de séparation au niveau sentimental. Et on va retrouver la justice, les papiers ici. D'accord, pour moi il y a une perte sentimentale, donc une perte d'une relation, ça peut être un mariage ou juste... concubinage ou juste une relation comme ça, mais on me dit c'est la fin de cette relation en menant des papiers, voire un procès ici, donc ce serait quand même plus quelqu'un qui est marié, d'accord, quelqu'un qui a une personne, un couple qui a des biens ensemble, d'accord. On parle bien d'un événement, donc c'est un événement qui arrive. Ici, je retrouve une certitude, en retard, un petit quelque chose, ou ça peut être par rapport à un enfant. On me parle de rêve. Ici, j'ai des longues études. Alors ici on retrouve une femme ici, donc on me dit la certitude en retard pour une femme, donc pour moi donc ça peut être un enfant qui est à côté de cette femme, mais un enfant jeune mais qui est en études, donc en études assez, pas en études, en études plus après le lycée, voilà la fac, d'accord, pour moi c'est plus en études supérieures quand même. On me dit que cette personne, voilà, a des complications, des duels. Elle a voulu faire une pause. On me parle de pause par rapport à ses études. On me dit pourtant qu'il y a des études. C'est une personne qui est assez douée au niveau de ses études. On me dit qu'il ne faut pas qu'elle arrête. Je retrouve les parents ici.
Donc c'est une certitude, il y a une personne qui est assez jeune, qui se pose des questions par rapport à ses études, voilà, si elle arrête ou pas, on me parle de pause, de break. Donc certainement quelqu'un de jeune qui va parler autour de ses parents, vouloir faire une pause par rapport à ses études. Voilà, cette personne ne sait plus trop où elle va, d'accord. Donc ici, en retard. Ici, je retrouve des petites contrariétés, en surprise, sur un événement dans la maison qui va créer des soucis dans la maison par rapport à un homme de cœur, donc ton amoureux ou quelqu'un qui est en couple avec toi, ou également ton papa qui peut être représenté ici. Alors, on me dit quoi? Ça peut être un couple ou quelqu'un qui habite à la campagne. On me dit un homme qui est ici. Bon, c'est bien confirmé. Pour un homme, d'accord. Donc on parle de contrariété pour un homme, en surprise, au sein de soucis dans sa maison. Par rapport à une personne, on me dit une personne qui arrive, voilà, dans les 3 mois. Dans les 3 mois, donc en surprise pour un homme, donc un homme de cœur, d'accord, ou pour votre papa, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive, certainement, donc ça peut être sur la vie sentimentale, voilà, ou ça peut être aussi amical, mais ça va créer des soucis dans ta maison, c'est en surprise, c'est un événement qui arrive. Alors, en nouvelle, il ressort la carte amitié, donc ça peut être plus quelqu'un amical, une relation amicale, voilà, qui va créer des soucis dans ta maison. Quelqu'un, un ami à toi, voilà, et cette relation va peut-être prendre un plan supérieur, voilà, ça va créer des ennuis au sein de ton couple, d'accord, tout simplement. Ici, cette carte représente la trahison, d'accord, donc pour moi, dans ta maison, arrivent des contrariétés, cet homme va avoir des contrariétés, c'est en nouvelle sur un événement par rapport à un ami, une amie ici, par rapport à une relation qui est déjà existante, ça va prendre de l'ampleur. On me donne à peu près dans les 3 mois, entre 1 et 3 mois, d'accord. Voilà, cette relation va peut-être se transformer en relation un petit peu sentimentale. On me parle de flirt, voilà, avec cette personne qui va créer des soucis dans ta maison. D'accord. Alors, c'était la guidance du jour, du vendredi 26 novembre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mettre ta petite cloche en notification pour avoir les prochaines vidéos que je posterai. Tu peux découvrir également ma page Facebook, Univers Will Boutique. C'est une boutique que je suis en train d'ouvrir. Tu peux retrouver le lien de cette boutique sur YouTube. Voilà. Et puis, je te souhaite une belle journée à toi.